Je suis de Notre-Dame-des-Landes. Moi, je préfère que les gens mangent. On arrive à faire pousser de l'herbe, à faire pousser du maïs et à produire du lait, à nourrir les gens. Parce que on croit pas, mais en fait, c'est important de nourrir les gens. Il faut essayer de ne pas se nourrir quelque temps. À Nantes-Atlantique, il y a déjà un aéroport. C'est à 20 km et c'est un aéroport international qui peut te permettre de sortir de France, etc. sans problème. C'est-à-dire l'optimisation de l'aéroport actuel qui a été travaillé avec, en atelier citoyen avec les architectes, des pilotes, des citoyens, des ingénieurs, des financiers, des comptables, des vidéastes. Et voilà, nous voulons exposer cette alternative-là qui est la seule crédible. Et montrer qu'il y a 10 vérités qui dérangent le gouvernement actuellement pour ne pas maintenir l'aéroport existant qui fonctionne très bien, qui n'est pas dangereux, comme l'a dit Manuel Valls cette semaine, et qui peut être optimisé, agrandi et réutilisé en alternative au projet de Notre-Dame-des-Landes.